Eh bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne C'est Fringué. Aujourd'hui on est sur Naval Action. Et puis on va se faire une petite bataille en PVP, comme d'hab, avec les amis, avec les collègues, les FP. Et écoutez, on perd pas de temps, on y va tout de suite, allez. Oh les canons avant, c'est horrible ça. Faites de gaffe au vent parce qu'il tourne vite. Ça va lui enlever de la vie. Hein. Charles, t'as les deux snow, toi. Hein ouais. Moi, je reviens sur lui. Hein. Oui, joueur, on voit que ça avance. Tu montes vite. J'ai mis de belles chaînes, tout au chromé. Ah ouais, faut que ça brille quand ça casse. Quand ça tape dans les voiles. Brillant et chromé. Touché, deux voiles, un mât, c'est bon, je suis bien. Charles, ils sont délirants tes chaînes, elles partent, on dirait, elles partent au ralenti, c'est marrant. C'est l'effet de tournicotement. Ouais, c'est... La force centrifuge. La force centrifuge. Mais non, pareil, mais les boulets, mais ils sont... On y a le tir. Hein. Ouais. Non mais les boulets ils vont lentement, putain, on dirait que c'est... les boulets ça part comme des boulets. Le mec il est en train de focus ton IA. Mais tant mieux parce qu'il sait pas que c'est mon IA. Ah non, attends, toi t'es à droite. Hein. Il t'a fait 10% de voile quand même. Ah, je suis plus à portée là par contre. Peut-être pas lever les canons assez haut. 98. Oh, il m'a tiré dessus. Ah oui, tu te laisses faire. Il a réparé là. Non. Bon, bah, on recommence comme hier. Hein. Ah, mais là, on est quand même plus près quoi. Charles va réussir. Les mêmes, on recommence. Charles va réussir à faire quelque chose de bien. Hier aussi on a fait quelque chose de bien. Ouais mais c'était... On n'était pas aussi proche quoi. Ah, c'est à double tranchant lui, il a déjà perdu 10% de voile, le Snow. Ouais, par contre faut se méfier du vent parce qu'il tourne vite ce coup. Ça racle le cul là, les boulets c'est chiant. Boum, encore un mât. Ça tombe sur le pont, tu sais, ça rebondit, tu vois le truc qui rebondit. Alors que jamais de la vie ça devrait rebondir, mais bon. On refait mes voiles parce qu'il m'a tapé 89% dans son cul. Ah, il est en train de tirer sur ton IA maintenant. Il tourne, et il va se mettre au vent, et il faut les... Ah, il reste 90, hein. Bon, il a l'air quand même bien remonté. Ah, c'est un endymion, hein. Ah, je suis tombé juste derrière. 97. Toujours à 98. Hein. Non, moi je vois 97 sur la carte. Mais... Ah ouais. Ouais, 97. Oh, j'ai fait un houle. Oh là, je suis trop fort.
Oh yeah, on lui a mis, on le rattrape bien quand même. Il va reprendre le vent. Tant bien s'il reprend le vent là. Oula, tu lui as mis cher là. Oh, je suis derrière. C'est le problème, c'est que maintenant il va défoncer Charlemagne. S'il arrive à te toucher. Pas à toucher le main. Ah bah c'est bien, tant qu'il zigzague, il perd de la vitesse. On n'est pas pressé, on va lui faire le cul gentiment. Voilà. C'est vrai qu'avant de faire le cul à quelqu'un, on lui a pas dit. D'ailleurs, voilà. Basile, je te signale qu'on lui a pas dit bonsoir. Oui, oui. T'as oublié. Faites-le, on va le faire tout de suite. Good evening, je sais pas quoi d'ailleurs. Right. Exactement. Mais non, dommage, c'est bonne nuit. C'est ouais, bon ouais. Quand tu vas coucher, bonne nuit, bah. Ah non. Si tu peux aller se coucher maintenant. Good evening. Non, evening, c'est l'après-midi, c'est good night. On y a dans le cul le mec, donc. Quand tu dis bonne nuit pour dormir, tu dis have a nice sleep. Bon lit. C'est stupide. Non. Bon bah bon nuit, bon lit les gars. Sleep, alors sleep pour info c'est un verbe. C'est dormir. Ouais, donc c'est pas grave, hein. Non mais c'est pas grave. On t'en veut pas. Bon dormir. Moi je mets pas de, moi, je mets pas de sleep pour, je mets pas de sleep pour dormir la nuit. Moi. Oh là là. Ah bah non, non, c'est un coquin ça. Faire quand le canon il reste de, il reste au vent. Hein. Ouais, c'est plus simple à tirer. Toujours. Bon, on le rattrape, mais c'est pas non plus la folie. Ah oh, putain, je trouve que quand on va le rattraper, il va morfler. Il veut nous acheter, t'as vu? How much is the tax? Genre, un keep calm and stop size. Excellent. Qu'est-ce qu'il a dit? Poli, ouais. C'est vrai, 83%. Ah, ils font beaucoup de maps Ikea. Hein. En train de réparer là. Non, Ikea, c'est sûr. Bon, j'ai plus de chaîne. Hein. Je vous tire au boulet maintenant. Hein. Bah oui, arroser au boulet, Charles. C'est que même avec 80% de voile, il fait chier. Hein. Ouais, mais ça va. Attends, on va le dissocier là. Taper les mains, faut taper les mains. Taper ce qu'on peut, hein. Stop ce qu'on peut, monsieur. Faut dire qu'à partir du moment où on est dessus, c'est mauvais pour lui. Il tire tout dans la flotte. Ah, si la basile au cul, ça va, il peut s'en sortir. Ouais, c'est vrai. Ah, parce que du coup, il va courir vite, c'est ça. Oh, Lunar, il coule, Lunar. Lunar, coule. Oh et non. Ouais, ouais, faut pas le laisser sortir. Oh, mais il tire quand même une petite dernière bordée dans les voiles. Hein. Le mec il est couillu, hein, Gunnar. Ouais, ouais. Gunnar il a Los Corones. Bah. Il t'avait des repas dedans, Charles? Négatif. Non, bon, ça sert à rien, alors. Laisse-le couler. On fera une petite. Des voiles, des mains. On fera une petite prière. Il est content, il a fait des PVE marques. Je crois qu'il va réparer. Vous sortez, vous pouvez m'inviter dans le groupe. Ah, ok, je tiens ça tout de suite. Et on remet les voiles, tu comptais me revenir dessus, Coco, mais t'es pas arrivé. Je pense qu'il essaie de tuer le snow pour récupérer les. Mmh. Avant de réparer. Ouais, peut-être. Ah, donc, vous chier, lui avez. Garder un peu de chaîne. Vous voulez lui expliquer que.
C'est bon, hein, vous arrivez à le rattraper là? Oh là là, j'ai un ennemi player là dans le coin. C'est un gros. Oui, bah on est occupé là. Eh, il me fait les voiles. Au cas où, si t'as besoin, moi je peux sortir. Pour le moment, il bouge pas, il est encore au port, mais je sens venir le gars. C'est quoi, c'est un naga? Il refait ses voiles, le gars. Ouais, je pense. Ouais. Il refait ses voiles. Encore? Il y a deux ponts. Je pense avec le sûr, parce que je vois pas que ça change pas. Ah, là, gars, il est à 83, il est à 84, il est à 85. Ouais. Ouais, mais il est là en refaisage de voile. Hein. Tiens, on va redescendre un peu le truc. Là, j'ai fait 11 voiles. Mais les boulets, bon, mais après, j'ai flippé des boulets. Normalement, qui c'est qu'il y a derrière là? Ah, mais moi je suis enchaîne là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Regarde là, ça arrive pas, elle est déjà finie presque là. Il a pas gagné. J'ai tiré deux chaînées, ça là. Je lui ai enlevé 3% déjà. Normal que je vois Jean Dubuisson. Ah, oui, je me promets. D'accord. On a pas le droit de se promener. Qui se promène en pleine mer. Non, pas tout seul. On a pas le droit de se promener. On va pas dire qu'il soit dans la meilleure compagnie, mais bon. Bah, des trous, toi, le truc, c'est que c'est la pirate régate là. Ah, ouais. Monsieur Felleriche. Comment? Monsieur Felleriche, il a sorti sa pirate, sa petite fille. Ah, ça remonte, ça redescend, ça remonte la répa. La répa, voilà. Ah, mais il est beau ton bateau à toi, c'est quoi? Ouais, c'est normal. Dès que j'ai reload deux chaînes, il perd ce qu'il a gagné. Hein. De toute façon, moi je le remonte à fond la caisse. T'en veux une pirate régate? Je peux te la craft. Mais c'est quoi cette couleur? J'en ai une et je l'avais, figure-toi, je l'avais donné à... Je l'avais prêté à quelqu'un, je ne donnerai pas son nom, et il me l'a défoncé. Je savais pas qu'elle était blanche et bleue, bleu un peu vert. Ouais, blanche et bleue un peu vert. Si, à l'intérieur, elle est bleue. Je crois que c'est ton pote chat noir qui me l'a coulé et il connaissait bien la couleur, lui. Qui, Lucky? Oui. Ah non, il a coulé une frégate. Tu l'as mis au cache-pot pour ça. C'est une hérise. Il l'a perdu comment? Oh, il me fait bien les mots, l'enfoiré. Hein. Vaut mieux pas poser la question, à mon avis. S'il l'a perdu en PVE, mets-le 3 mois au cachot. Ouais, 89, mais il répare longtemps, ce connard. Il a trop peur des mouvements de grève maintenant, Basile. Oh, mais il répare combien de temps, ce gars, là aussi là? Putain, mais je tire devant, je tire derrière, mais je tire pas dessus, hein. C'est un truc de flingué, ça. Écoute, c'est la première fois que je vois une pirate frégate de cette couleur. Ah, quand même. Comment il me fait bien les voiles, hein. Il est limité, il va être limité, il aura plus de... Il n'aurait pas, mais il faudrait que j'arrive à lui foutre une belle bordée. C'est pas de répa, il aura plus de chaîne. Tu sais, là, pour ce qu'il a tiré en chaîne, encore de la marge. J'en ai 140 des chaînes là qui l'attendent, mais. Par contre, elle dure super longtemps, ça, répa. Là. Je remonte à fond dessus, toi aussi, c'est bon, c'est bientôt la ligne. Est-ce voile demain? Ouais, je vais lui faire une grosse bordelle. Hein. Tant pis, ça me fait perdre de la vitesse, de toute façon j'ai plus que 80% de voile. On est bête, on aurait dû... Oh, il m'a... On aurait dû flipper San Juan ce soir, parce que les Français ils ont flippé Grand Anse. Le problème c'est qu'on sait pas. Ouais, c'est con parce qu'ils auraient jamais défendu San Juan del Norte parce qu'ils n'ont aucun intérêt de le garder. Ils ont plus intérêt à taper les Suédois. Ouais, il a bien réparé là. Elle dure longtemps, ça répare, c'est pas possible ça. La RAP elle est à 85, il remonte plus apparemment. Hein. Si, ah bah ça bouge encore. Là, je lui ai cassé ses répas là, je crois. Hein. Ouais, là, ça descend. Pour lui. Moi, si je veux, je peux réparer mes voiles. Là, il serait emmerdé. Ah, vas-y, hein. Faut qu'on continue à se rapprocher. Moi, je fais les mains, toi tu me rates, mais moi je te fais les mains, Coco.
Putain, mais c'est pas possible, je tire comme une merde ce soir sur un truc de flingue. Je tire mieux au boulet, quoi. Allez, les voir, il répare les voiles. Ah, il a plus le perks pour que ça répare plus vite et avoir plus de PV de voile. C'est peut-être pour ça aussi qu'il se faisait autant péter les voiles. Ça acharne-toi sur les petits faibles et sans défense. Acharne-toi. En ce moment-là, ça coule du côté de l'île aux enfants. Oui, il y a une bataille de port. Les Russes, les Prussiens, les Anglais, et tout. Non, il n'y a pas de bataille de port. Hein. Ah, quoique. Ah ouais, c'est les... encore c'est... au poulet, là. C'est les Hollandais qui ont tapé là-haut. Mais putain, oui, loin, les Hollandais. Faut pas l'intérêt d'y aller là-haut. Mais... mets des chaînes sur moi. Mais oui, mais mon coco, j'ai mes copains derrière. T'as vu les grands frères derrière, comment ils arrivent fort? Qu'est-ce que tu ferais sans mes copains, hein? Je peux retourner le truc en disant que ferait-il sans moi? Eh, aussi. C'est la femme. Non, mais les copains, c'est la famille. Carrément. Oh là là, oh là là, il tire comme une tanche. Oh là là. Ah, j'ai loupé toute une bordée de... toute une bordée, là. Oh là là. C'est laisse hein, quand on en a que deux. Parce que j'en ai encore une pour toi, gars. Passez sur sa droite. Vous deviez le taguer ou quelque chose, faites-le tout de suite. Il est tagué, attends, faut pas déconner quand même. Je vais réduire un peu la voilure, sinon je vais le lâcher. Alors attention le monsieur, il va morfler. Vas-y, arrose-le comme il faut. Avec beaucoup de plaisir. C'était beau. Alors, je comprends pas. À mon avis, je devais plus avoir beaucoup de chaînes, il a dû charger le reste en balls. Ah voilà, il cherche le combat, enfin. Ah, j'ai tué un crew. Oh non. Il a compris. Pourquoi j'ai osé faire ça? Je monte au 180. T'es obligé d'accepter le combat, il sait que c'est fini au niveau vitesse. Mais de toute façon, là, il a réparé trop souvent déjà. C'est la fin. La guerre ne meurt jamais. T'as tiré dessus. Ouais bah moi aussi, hein. Je crois que y en a un des deux qui a gagné l'échange. Je dirais pas qui c'est pour être poli. Par contre les gros culs là, si vous voulez péter les voiles, hein, c'est... les mâts là, c'est magique. Hein. La baguette de pain, je vais passer derrière toi. J'ai fait un demi-tour, il m'a tiré dessus le mec avec sa bordée. J'ai fait un demi-tour. Je sais pas ce qu'il essaie de faire là. Le mec il sent le sapin. Ça sent le sapin des Alpes, ça sent. On peut le faire chier que je tourne aussi vite que lui avec ma consti pourrie.
Bah, on se type prototype, tu vois, alors elle aura servi. Oh là là, mais je comprends pas. Désolé, il a pas de dégâts. T'sais. Raté passé juste devant. J'ai envoyé juste derrière, mais. Je lui dis que j'ai un pinot cosmas sur le bateau. Un quoi? Un pinot cosmas. J'ai 5% de plus de thickness et d'HP. Ah, j'ai 10 ou 15% d'HP. Main. C'est pas grave, monsieur, ton cul me suffit, hein. Attention, il est en feu. My bad, hein. Excusez-moi. Pas grave. C'est pas ça qui va nous empêcher de le couler, ce con. Surveillez vos langages, s'il vous plaît. Risque juste de mourir plus vite, hein, c'est tout. Bah oui. Parce que je lui ai mis juste en tirant dans le cul. C'est violent, hein, ce qu'on lui a mis juste en tirant dans son cul. Vas-y, je fais une ligne derrière toi, une ligne. Quoi, il prend vite feu son chip de merde. Ouais, c'est à distance, voyez. Ouais, je vois pas comment il est en feu, c'est tout. Mais je lui ai pété le fion, c'est normal, c'est tout. Oui, une explication logique, hein. J'en ai tiré 10 dans le cul au coup par coup. Oh joli, ça tape bien dans les mâles, hein. Je suis vraiment pas doué pour démater. À mon avis, ça charne sur moi, le gars. On peut doué pour démater, on va continuer la coque, ouais. C'est ce qu'on fait le mieux. Attention, ils foncent sur le bubu là. Bon, vous allez arriver à le couler ou quoi? Non, putain, ça a chargé. Tout débordé, putain. Tourne sur moi, il s'est dit peut-être que je vais arriver à couler le snow. Non, non, pas non. Peut-être, oui. Pas même plus dans les angles. Attention, 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 il va vers toi, bref. Ouais, mais il m'attrapera pas. Il est pas en fire shock encore, hein. Face au vent et tout ça pour taper le snow. Il se dit c'est lui le commandant. Encore une victoire de canard, on l'a bien maravé lui. Je pense qu'à un moment il a espéré pouvoir m'atteindre. Au moment il y a cru. Hein. Même Basile y a cru. Attention Fringuy là par contre parce que lui il va t'atteindre. Ouais, mais moi aussi t'en fais pas si je me mets là, c'est justement pour lui envoyer un petit quelque chose. J'ai totalement chié une bordel, je ne mérite pas mon titre. Tu lui as raclé le fion. Ah, tu disais Fringuy si tu te mets là? Non, non, ça risque rien, je tourne. Bon, je vous demande de venir me protéger parce qu'il va me foncer dessus. Là. Ton pinot au cosmos, ouais, mais attends, le pinot au cosmos il peut pas résister à 300 coups dans le dans l'autre tesson, quoi. Oh, bon, tiens, tiens.
Ah il va d'abord d'agir là. Ouh là là. On récupère un peu des marques. Oh, il tourne encore. Putain. Et on voit que c'est quand même pas si facile à démater, hein. Tout ce qu'on lui fout sur la gueule, là. Là, des mains, il en a bouffé quand même, hein. Parce que pour le coup, lui au début, il a vu un snow, une croustille, et puis après, lui, il a vraiment eu mal au cul. Qui est-ce qui était là? Ah, désolé, Basile, je me suis foutu devant. Oh, t'inquiète. Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Tu viens par là? Mais viens pas par là, garçon. Attention. Oh. Vous attaquez là pour. Attention, toutes les 5 secondes là. Parce qu'il est en feu, le mec. S'il se fait péter, bah ça fait mal. Ah oui. Le brûlot du désespoir. Bon, enfin, normalement, avant le coup, je suis place. De voir, non? Rudurf. Il a le rudeur, il a le feu. Il a tout, quoi. Il manque plus que la pécole. Il manque plus que la pompe. Il manque plus que la pompe, Charles. Fais quelque chose. Ouais. Ah hein? Putain, j'ai de la carreau derrière. Oh là 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 là. Vous savez ce que c'est, la pécole? Oh. Un truc à base de Morito? Non, non, c'est la peau du cul qui se décolle. Ah, d'accord. C'est très imagé. C'est un cachot. Ah, ça a l'air chaud. Ah, bah là, il va péter. Oh, on va avoir une explosion pour ta vidéo, là. Fringui pour ta vidéo. Ouais, bah ouais, Fringui, t'en fais pas. Mettez-vous en H, les gars. Appuyez sur H. Ah, je suis loin. Mec. Oh, t'es loin, là. Bryce, pardon, c'est F10, Bryce. Oui, ça a changé, oui, en plus. Oui, ça, putain, c'est vrai. Ça change quoi, Bryce? Il a pété, là? Non. Et il a pas pété, non, encore? Non, mais là, tu l'aurais entendu. Bah, il est en train de couler, là. Fringui, tu filmes, hein? Ouais, j'ai la vue dessus, si personne passe devant. Malheureusement, on t'entend trop. Ouais, je sais, je m'excuse. Pardon. Bah, je vois les boulets qui passent à peu près de mon bateau, par contre. Mais c'est pas les miens. Ah, j'en ai encore un peu, bah allons-y. Allez, le gros boom. Enfin, le machin, on va le couler avant qu'il coule. Là, Charles, tu vas le looter, allez, vas-y. Là, là le snow, il s'envole. Là. Ou quoi c'est un flambeau, quoi. Si je m'approche, déjà que j'ai plus de voile. Eh, c'est rien, this girl is on fire, c'est tout. On est en train de l'arroser, le pauvre, il va dire putain, tu pètes ou pas? Et non, les bikes, il y en a encore, hein, t'as vu. Hein. Mais ils sont solides, hein. Non, il a pas pété, il a pas fait kipou. Ah, il a coulé quoi. Lui, il a coulé. Oh là. C'est Warf qui a eu le kill. Ouais. Bien. Oh là là. Dutch player. Near Bragman Bluff. Et 31 mâts, 275 voiles. Souligne que Lona quand même a fui comme une chiennasse. Hein. Ben, je vais y aller. C'est écrit jaune sur blanc. Il y a un Bellona qui a trahi. Bon bah, encore un beau tag. Ouais, je suis pas tout droit. Attention, ref. Bah non merci, si t'as le bon vent, on va le looter. Il doit avoir peut-être qu'il reste un petit peu de poisson. S'il y a no merci, il y est dessus, c'est bon, il peut y aller. Oui, no merci, ouais. Parce que moi je peux pas, je suis carrément posé là. J'essaye de remonter, mais avec mon peu de voile que j'ai là. Ah bah, il te manque des parties là. Ouais, me manque... morceau du haut quoi. Tu, bah, c'est tu pas vas grave. Où Jean? Je vais près de Bergen-Bleu. En tout cas ça va être compliqué pour retaguer un autre hein, si on a un Jon Snow qui marche pas. Ça va, on va... Qu'est-ce que c'est ce boulet qui m'est tombé devant là?
Il y a plus d'ennemis, j'ai des boulets qui me tombent devant le bateau. C'est un problème là, quelque part. Ah, t'es pas du bon côté alors. Quand il a explosé, t'as pas vu, bah, les boulets. Ils sont partis. Ils sont partis en l'air, faut prendre l'air. Puis ils retombent sur toi. C'est pas de sa faute. Parce qu'effectivement, ça devient stratégique le chaîner, quoi. Mais c'est pas forcément plus mal au final. Ah, t'as vu, quand j'ai pu lui coller une bordée là, il a perdu 10% de voile. Mais bon, je veux pas me vanter, mais le tag était pas mal. J'aurais attendu un tout petit peu plus, je serais rentré dans le tag au début. Ça aurait été mais, pas mal. Mais attends, j'ai renvoyé le tag 3 fois, j'ai renvoyé le tag. Mais en fait, c'est parce que tu l'as renvoyé que j'étais plus dedans. En même temps, les autres seraient pas bien rentrés forcément. Donc... Non mais là ils sont bien rentrés aussi, attends ils étaient tous voilà, derrière. Ça, il y en a qui fait les voiles. C'est Basile ça. Ouais ne faites pas les voiles parce qu'après c'est les reps dehors, on va être emmerdé quoi si ça se trouve. Non mais j'ai rien à voir dans le dossier, moi je sais quoi. Je le suis. C'est les mauvaises habitudes. Ah ouais non Basile, c'est pas ta... c'est pas toi. Alors... Ouais il va aller plus vite Charles ton snow, parce que là il te manque un bout de bois, il te manque du bois, ça va aller vite. Ouais. Ah, même tu vas pouvoir lui chatouiller les lunettes arrière avec ton beau pré là. On n'est pas si loin de Gridcorn hein, pour les réparer. Ouais ben on ira à Gridcorn réparer hein. Enfin, moi je peux y aller c'est vite fait. Hein. Ça valait le coup de faire le déplacement, tiens. Quoi, si tu cherches des regrippers sur lui, il en aura plus, hein. Ça c'est clair et net. L'autre d'hier, le Polak, quoi, c'est pareil, quoi. Non, il a été plus rapide que le Polak, celui-là. Eh ben voilà, les amis, cette bataille est terminée. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et écoutez, on se retrouve au prochain épisode avec nos petits amis de la team et... N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, merci beaucoup. Et puis, jusque là, on se retrouve sur le pont. Et puis, faites pas les fous et pichou. Allez, salut à tous.